Alors, quand on parle de transparence, ça peut être un idéal, ça peut être une volonté d'être transparent, mais c'est pas nécessairement un nouveau concept qui arrive tout d'un coup simplement à cause des médias sociaux. Et ce qu'on peut voir, c'est des vrais cas de transparence qui arrivent parce que les gens voient des avantages à le faire dans les médias sociaux. On peut toujours être opaque dans les médias sociaux comme ailleurs, mais il faut jouer le jeu d'une façon différente. Ouais. Tandis que quand on est transparent, il y a des avantages qui nous viennent, des bénéfices qui nous viennent assez rapidement. Et on peut noter ça et l'évaluer d'une façon ethnographique en voyant les comportements d'une façon plus organique. Et plutôt que de faire des sondages ou des trucs comme ça, c'est de vraiment voir les interactions entre les gens au niveau micro. Mm-hmm. Vraiment de personne à personne ou en petits groupes, mais vraiment dans la vie de tous les jours. Et non de se dire, ah ben à telle occasion, il y a eu tel cas où quelqu'un a été opaque ou quelqu'un a été transparent. C'est moins intéressant que de voir, ben il y a une tendance vers tel type de transparence ou tel type d'opacité, et puis on déplace les choses, puis ça a une signification différente pour différentes personnes à différents moments. Mais donc tu veux dire que la lumière et l'ombre sont deux composantes de notre expérience humaine, et que donc on peut pas abolir ni l'une ni l'autre. On peut pas faire le noir total, on peut pas revenir à l'obscurantisme, mais on peut pas non plus arriver à la transparence totale. Bien, c'est un modèle qui est assez parlant ces temps-ci, parce qu'on voit cette subdivision-là comme faisant sens. Mm-hmm. On se dit, ah oui, c'est logique, ce qui est transparent, c'est authentique, c'est direct, et ainsi de suite. Tandis que ce qui est opaque, on fait référence à la religion à l'époque ou des régimes totalitaires et ainsi de suite. On a un modèle assez caractérisé, mais finalement, ce qui se passe, c'est beaucoup plus fluide que ça. Alors, on peut utiliser le modèle en disant, oui, bon, c'est un peu comme ça, c'est un peu de ce côté-là, c'est un axe de dire il y a un peu plus de transparence, un peu plus d'obscurité ou d'obscurantisme et tout ça, d'opacité. Mais au-delà de ça, qu'est-ce que les gens assignent à la transparence? Est-ce que c'est une valeur en soi? Comme pour certains, c'est comme pour l'ouverture dans le développement en source ouverte, c'est vraiment une valeur en soi, c'est une éthique. Mm-hmm. Mais ce qu'il y a eu depuis ce temps-là, cette éthique-là s'est transformée quasiment en religion. Pour certaines personnes, c'est vraiment un principe fondamental où on n'en déroge pas. Et Android est meilleur à cause du principe. Mm-hmm. Peu importe l'utilisation, mais on se dit peut-être à plus long terme. Quand tu dis un principe fondamental dont on ne déroge pas, moi j'appelle ça un dogme. C'est ça. Très dogmatique. Okay. Alors le dogme, la transparence, c'est aussi problématique pour quelqu'un qui est contre le dogme. Si on est pour le sens critique, ce qui est mon cas, j'accorde plus d'importance au sens critique qu'à la transparence. Mm-hmm. Puis on ne peut pas imposer la transparence. D'après moi, c'est illusoire d'imposer la transparence. Ça fait simplement déplacer soit le débat ou même la zone d'ombre dont on parlait. Mais par contre, on peut travailler avec le sens critique et se dire, ben, on a chacun les outils en main pour se faire sa propre idée, mais ensemble aussi. Mm-hmm. La notion de dialogue va au-delà de la transparence, en quelque part, parce que même s'il y a la culture des apparences à travers même le dialogue, ce qui passe entre nous, c'est pas simplement l'information, c'est une co-construction de sens. Exact, une co-construction de sens. C'est ça. Alors, la transparence est peut-être un leurre, mais en fait, elle cache un autre concept qui est de construire du sens ensemble. C'est ça. Créer un sens à notre vie, à notre action quotidienne, à notre économie, à tout. Même sans le vouloir. Même sans le vouloir. Parce que souvent, on construit du sens sans le vouloir. Je peux t'indiquer que j'ai la grippe, si c'est le cas, sans vouloir l'indiquer. Et puis, un politicien peut indiquer quelque chose par rapport à des mensonges qu'il a fait sans vraiment le vouloir. Il y a vraiment un sens qui est construit à travers tout ça. Mm-hmm. Et la transparence a beaucoup d'importance par rapport à la gestion des données dans un espace citoyen. Je trouve ça plus intéressant comme concept de participation citoyenne, où la transparence, c'est pas seulement le maintien de la vie privée et puis de gérer les données pour que des gouvernements ou des entreprises puissent nous traquer au cours de nos déplacements, mais qu'on ait notre transparence à propos des données qui nous touchent, nous. Mm-hmm. Alors, c'est pas la transparence de la personne, c'est la transparence des données elles-mêmes, qu'on y ait accès directement. Mm-hmm. Alors, non seulement que les données sont ouvertes, tu sais qu'on va parler beaucoup d'open data. Oui, on en a parlé ce matin. Ouais, mais de dire non seulement que les données elles-mêmes sont ouvertes, mais qu'elles sont dans un format qui est lisible. Exact, accessible. C'est ça. Mm-hmm. Parce qu'on n'est pas tous des geeks. Mais en même temps, il faut qu'elles soient protégées. Donc, c'est là où le problème... Non, mais pas de nous. Mm-hmm. Les données qui me touchent, moi.
Oui. Le fait que... Oui, que... mais d'un autre côté, l'État doit les protéger de, d'autres personnes, tes données à toi. Ou alors, elle doit les agréger à ce moment-là. C'est ça. Si, si l'État protège mal, ce qui est le cas, oui. mais qui ont ces données-là, qui au moins ils nous donnent ces données-là. OK, à nous. Qu'on ait accès à notre dossier médical, par exemple, mm-hmm. des trucs comme ça. Mm-hmm. Un exemple que je donnais en présentation ce matin, c'était de parler simplement d'une carte de système de transport en commun, de se dire, ben cette carte-là, il y a des informations qui sont dessus, mais il y en a certaines, on voudrait y avoir accès directement. Mm-hmm. Ma carte Opus, il faudrait que j'aille sur une machine pour aller voir combien il me reste dessus, mais si je la présente directement, je sais combien il me reste, exact. Et puis je sais si je l'ai payé et tout ça. Ça serait tout simple, c'est des données qui m'appartiennent. Et puis ça, je pourrais à la rigueur les contrôler, ça serait bien. Mm-hmm. Ça serait ma propre... La transparence de mes propres données, en fonction de mes propres buts, plutôt que de dire « Ah, ben nous, on les garde pour vous, puis on va être transparent avec vous sur ce qu'on en fait. » Mais en même temps, on va les protéger, mais on n'est pas très, très bon pour les protéger. Ce qui s'est passé en Angleterre il y a 2-3 ans avec des DVD contenant mm-hmm. des données sur à peu près tous les citoyens, ben, ça montre qu'il y a un problème. Mm-hmm. On ne peut pas se fier à un organisme, quel qu'il soit, c'est pas parce que c'est des gouvernements, ça peut être une entreprise privée, de gérer pour nous des données. Mm-hmm. Donc, soyons au moins transparents pour nos propres données. Ben, je te remercie beaucoup de cette conversation. Merci. Écoute, on ne pouvait pas faire tout le tour aujourd'hui. Non, il n'y a pas de problème. Mais on a fait un petit bout et je te remercie infiniment. Bonne Parfait. Journée, Alexandre. Merci. Bye. Bye.